Scène de cirque, c'est un tableau dont nous sommes vraiment très très heureux de pouvoir disposer. Il nous a été prêté par le musée de Chicago. C'est une œuvre majeure à plusieurs titres. La thématique est un sujet qu'il représente depuis longtemps, y compris dans son enfance. Il a été emmené au cirque par son père, par son premier maître René Princeteau. Mais quelle écriture, quel travail de composition! Vous voyez ce principe de cadrage où il tronque le clown qui est à l'extrême gauche, qui est presque une silhouette disloquée. Cela nous fait penser à Valentin le Désossé sur l'affiche Moulin Rouge. Les spectateurs, il tronque aussi la silhouette du clown qui est sur le tabouret, qui tient l'écran dans lequel l'écuyère va sauter. Il s'agit d'un cadrage photographique extrêmement moderne, bien évidemment. On voit bien ici qu'il ne s'agit plus d'une perspective traditionnelle. Tous ces éléments lui appartiennent. C'est sa propre liberté et il a un art tout à fait indépendant.